Tes paupières deviennent lourdes. Tu as de plus en plus sommeil. Tu n'es plus un chat, mais une madeleine. Qu'est-ce que tu racontes? Oh bah, tu m'as fait peur. Tu devrais avoir une clochette. Mais qu'est-ce que tu fabriques? Oh, j'apprenais au chat à dire l'heure. Ça ne se voit pas. Contre Willy, t'as tout compris. Avoue que tu l'hypnotisais. Oh, d'accord, on s'est fait remarquer. J'aide le chat à essayer d'arrêter de fumer. Bon, voilà l'occasion de te rappeler une fois encore quelques règles qu'on ne peut pas transgresser ici. Règle numéro 1, on ne mange pas un membre de cette famille. Willy, on ne faisait que plaisanter, voyons, il adore ça. Écoute, il faut que je passe prendre Kate et les enfants, et pendant mon absence, je voudrais que tu cesses tes plaisanteries avec Lucky. Pas de problème. Je voudrais aussi que tu cesses tes habitudes de t'amuser avec des objets d'une valeur importante. Hein? Tiens, elle est cassée. Le chat est tombé dessus. Tu sais, ils tombent pas toujours sur leurs pattes, ils tombent parfois sur des montres. Lucky. Miné. Lucky, ne l'écoute pas. Ne l'écoute surtout pas, tu n'es pas une madeleine. Tu n'as jamais été une madeleine. Mais tu tombes de sommeil, toi. Non, mais t'es pour rire. Oh.